Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers amis. La date du 14 juillet que notre nation a choisie pour célébrer la fête nationale en dit long sur notre République et les valeurs qui la fondent. Choisir de fêter notre République le jour de la prise de la Bastille, considéré comme l'événement inaugural de la Révolution française, constitue en effet un choix hautement symbolique. C'est le choix de la liberté. La Bastille était une prison où étaient traditionnellement envoyées les personnes faisant l'objet d'une lettre de cachet. Celle-ci pouvait contenir un ordre privatif de liberté, était prise de façon totalement arbitraire par le roi, qui pouvait agir ainsi au mépris des droits élémentaires essentiels pour la personne humaine. En prenant la Bastille, les insurgés ont manifesté que l'arbitraire ne pouvait plus avoir cours dans notre pays et que le respect des libertés fondamentales devait prévaloir en France. Le 14 juillet est aussi le symbole de l'égalité, parce que la prise de la Bastille constitue le premier acte de la Révolution française qui mit fin au pouvoir monarchique absolu et aux privilèges de l'Ancien Régime, aux privilèges des droits féodaux, de servage, qui empêchaient notamment un cultivateur de vendre ou de léguer à ses descendants la terre sur laquelle il avait travaillé toute sa vie, ou encore aux privilèges de la vénalité des offices qui privait celui qui ne possédait pas une certaine fortune d'exercer, par exemple, une profession juridique. C'est dans le prolongement de la prise de la Bastille, au cours de la nuit du 4 août 1789, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen était adoptée par l'Assemblée nationale constituante, et quand son article 1er était proclamé la plus belle formule de tous les temps, « Les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit ». Le 14 juillet est enfin le symbole de la fraternité. N'oublions pas que la loi dite Raspail du 6 juillet 1880, par laquelle nos parlementaires de la Troisième République ont choisi le 14 juillet comme fête nationale, voulait aussi commémorer la fête de la Fédération qui eut lieu le 14 juillet 1790, un an après la prise de la Bastille, pour célébrer les libertés gagnées. Ce jour-là, le pays a connu un moment de réconciliation et d'union nationale comme il en a existé peu dans notre histoire. En effet, sous l'impulsion du marquis de Lafayette, alors commandant de la garde nationale, cette fête de la Fédération permettra l'union fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français dans la liberté et l'égalité. Au cours de l'événement, qui sera aussi appelé fête de la fraternité, fleurira notre cocarde tricolore, du bleu et du rouge pour les couleurs de Paris, le blanc pour la couleur des Bourbons. Vous l'aurez compris, je tenais à rappeler l'importance des symboles du 14 juillet. Ces symboles sont nos valeurs, celles de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Plus que jamais, nous devons être guidés, portés, inspirés par la devise de la République française. La liberté et l'égalité sont nos buts. La fraternité, le seul moyen d'accomplir ces buts. Particulièrement en ce moment de configuration politique inédite dans notre pays. Si nous voulons préserver la liberté et l'égalité en France, chaque élu doit être guidé par l'idéal de fraternité qui implique de savoir faire un pas vers celui qui ne pense pas forcément comme soi, à partir du moment où celui-ci est animé par les principes, les valeurs, la devise de notre République. En espérant que sagesse, bienveillance et esprit républicain prédomineront dans notre pays, nous pouvons en tout cas nous réjouir aujourd'hui de célébrer à nouveau notre fête nationale sans confinement, sans interdiction ou limitation de rassemblement populaire. Permettez-moi dans ce moment de fête d'avoir un mot pour exprimer notre reconnaissance à toutes les personnes qui œuvrent chaque jour dans les hôpitaux, au sein de la police, chez les pompiers, dans les services publics, dans les métiers en première ligne et au cœur des associations si importantes pour notre ville communale. Merci à chacun de vous. Votre mobilisation permet que notre vie collective s'accomplisse dans la paix, la sérénité et la solidarité. Si le virus court toujours et galope même à une vitesse préoccupante, cette année nous aurons enfin notre son et lumière, avec son feu d'artifice autour du bassin de la Vézère.
nous pourrons fêter notre belle et grande République française avec tous les honneurs qu'elle mérite. Heureuse fête nationale à tous. Vive la France, vive la République, vive Terrassant la ville Dieu. Je vous remercie.